Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Une vidéo très particulière dans un très bel endroit. Regardez, nous sommes dans le flagship de Tennis Point, avenue des Ternes à Paris. Et aujourd'hui, vidéo particulière puisque je vais apprendre à corder. Jamais fait ça de toute ma vie. J'espère que je vais y arriver. J'ai hâte de savoir en combien de temps je vais réaliser tout ça. J'ai passé du temps dans les magasins de tennis, j'ai passé du temps même dans les stands de cordage sur les tournois de tennis. Mais perso, j'ai jamais fait une raquette, commencé une raquette, terminé une raquette, les nœuds passés en bas, en haut. J'en sais rien du tout, j'ai hâte de voir combien de temps je vais faire. Une heure et quart, un petit peu moins. Franchement, ça, je suis très très content. Si c'est plus, j'ai honte, on va pas se le cacher, j'ai très honte. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires combien vous pensez que je vais mettre de temps. Quoi qu'il arrive, je vais rejoindre Luc derrière la machine qui est mon formateur pour la matinée. Je vais voir combien de temps je vais l'embêter. Et puis, bah, c'est parti, hein. Au boulot. Allez, go. On se retrouve derrière la machine. Je commence à monter un petit peu. Je suis avec Luc, comment ça va? Salut Thomas, salut tout le monde. Bah, je suis chaud, je suis prêt à te mettre au défi. Je sens que t'es chaud ce matin, mais attention, c'est un défi de taille. C'est un vrai défi. Toi, bah, t'as pas peur. Toi, ici, c'est ton habitude. Toi, ici, t'es en confiance. Là, je suis comme à la maison, c'est tranquille. Exactement. Pour moi. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, hein, au Tennis Point de Paris, avenue des Ternes. Raquette. J'ai pris une Clash édition Roland-Garros 16-19. Facile à corder ou pas? Bah, la Clash, c'est vrai qu'il n'y a pas particulièrement de difficulté. Tu es sur un 16-19, donc un plan de cordage classique. C'est plutôt bien pour commencer. Combien de temps je vais mettre à ton avis? Là, c'est le grand défi. Ça dépend à quel point je vais t'aider. Mais si déjà tu arrives à terminer la raquette sans faire de points et sans faire d'erreurs, ce sera déjà pas mal. Ah d'accord. Ah oui, il n'y a même pas de perfect. Ah ok, d'accord. Une raquette, elle arrive comme ça. Déjà, par quoi on commence? Déjà, on va quand même observer si la raquette, elle n'a pas de fissure, elle n'a pas, on va j'avais dire... déjà raté la première étape. Voilà, allez, un souci, quoi que ce soit, parce que non, mais ça peut arriver, oui, il y a des raquettes clients qui seraient endommagées. Voilà, celle-là, c'est pas le cas. Quand quelqu'un vient au magasin et veut faire corder sa raquette et que tu vois une toute petite fissure et qu'il dit non, mais ça passe, tu le fais ou tu refuses systématiquement? Ici, quand même, la politique, c'est de prendre aucun risque, okay, que ce soit pour nous, parce que même on voudrait pas que la raquette vienne à casser sur la machine. C'est quand même des tensions qui sont fortes, qui sont appliquées. Donc effectivement, s'il venait à y avoir une vraie fissure sur la raquette, il faut vraiment la constater et expliquer au client que c'est pas possible de corder cette raquette-là. Okay. Bon là, pas de fissure. A priori, tout est bon. Ouais, ça va. Ça tape pas trop par terre, c'est pas mal. Non, pas avec celle-là, on va dire. Ensuite, avec aucune. On fait le cordage, on l'enlève directement. Donc là, il y a quand même une technique pour le couper. Je vais te laisser le faire. Le plus efficace, c'est de le couper en croix. Tu commences par le milieu. Okay. Tu coupes en haut, sur les deux côtés, puis en bas. Tiens, je te laisse le faire avec. On commence à faire tout ça en croix. Voilà. Hop, tu m'as dit sur le côté. C'est ça. Hop, de l'autre côté. Exact. Je sais pas si j'ai pris la manière la plus adéquate pour couper l'autre côté. C'est bon, c'est pas mal. Il n'y a plus de tension, donc ça se coupe moins bien. Hop, voilà. Voilà. Après. Maintenant, tu vas. Est-ce que je peux faire ce que j'ai déjà vu ou pas? Allez, vas-y. Montre-moi un petit peu. C'est pas mal. C'est peut-être pas le plus efficace, mais ça fera l'affaire. Ouais. Allez, à chaque fois que je vais sur les trucs, il faut comme ça. Je me suis dit, c'est que ça doit être bien. Puis après, il tire comme ça. C'est ça. Tu viens libérer tout ton cordage. Tu viens mettre tout ça de côté pour avoir ton tamis qui soit libre pour ton nouveau cordage. Je m'en sors à merveille. Enfin, je sais pas, je suis pas l'instructeur, mais j'ai l'impression de gérer le... C'est un bon début. Et quand tu comptes, par exemple, tout à l'heure, je vais te demander ta raquette la plus rapide que tu as cordée. Ouais. Mais quand tu comptes la raquette cordée, ça, tu le comptes dedans ou tu comptes au moment où tu commences à vraiment mettre le nouveau cordage sur la raquette? Non, ça dépend. Quand on compte vraiment, oui, on dit que c'est quand on a la raquette en main et le cordage qui est prêt à être cordé. On ne compte pas forcément à ce niveau-là. On est bon. Je change de cordage. Cordage jaune plus haut. Je passe sur un Alu Power de Luxilon parce que c'est l'un des cordages qui est le plus connu dans le monde entier. Je me suis dit que j'allais corder l'un. Parce que selon ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'il y a différents cordages qui sont plus ou moins agréables à corder. Ouais, ça c'est vrai parce qu'on a déjà les deux des grandes familles de cordages, les multifilaments, les monofilaments. Donc c'est vrai que le multi en polyamide, il va être quand même un petit peu, il va pardonner un peu plus, il va faire un peu moins mal aux doigts. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, les monos, c'est à peu près toujours la même chose. Il y a toujours un petit peu ce côté un peu plus rugueux. Ça, on est bon. La raquette. On va l'installer sur la machine. Première chose, toujours
vérifier que ton logo est dans le bon sens. Ah, ben voilà. Donc non, déjà. C'était raté. Dommage. C'était raté, bien joué. Donc l'important, c'est d'être consistant et de toujours le mettre au même endroit pour que tu aies vraiment une pose qui soit régulière. Ok, d'accord. Bien. Vas-y, je te laisse l'installer. Donc tu la centres, ta raquette, voilà, bien au milieu. Comme ça. Ce que je te conseille, c'est il faut bien que la raquette soit plutôt centrée. Donc ici, tu viens le mettre à peu près à bonne distance. Okay. Et ensuite, viens serrer les deux gros bumpers que tu vois juste ici. Et ça sert comment? Avec ça, allez, là, avec les deux... Ouais, les deux gros. Ah oui, d'accord. Tu viens les resserrer petit à petit, surtout ne pas serrer trop fort. Continue de serrer celui-ci. L'important, c'est surtout de ne pas forcer trop au niveau du serrage. Je vais reprendre juste pour voir à quel point t'as serré. Ouais, c'était pas mal. Il ne faut pas serrer trop fort puisqu'il va y avoir en fait des tensions qui sont fortes sur le cadre qui vont légèrement le déformer. Et donc, si la raquette et le cadre est déjà trop comprimé, c'est vraiment mauvais pour le cadre. Et ensuite, tu vas venir fermer le dernier juste d'accord, ici. D'accord, c'est le dernier donc, qui est juste là. Donc, de la même manière. Je pensais que celui-là, on le fermait avant, tu vois. Voilà, tu vois ici ta raquette. L'intérêt, c'est qu'elle est bien centrée sur ta machine. C'est bien, comme ça, il n'y aura pas trop de force. Là, je vais pouvoir travailler de fort belle manière. Exactement. Et là, au niveau du serrage, tu vois, ta raquette, elle ne bouge pas, hein, elle est bien fixe, mais on n'est pas venu forcer sur. Ouais, bien sûr. Et là, au moins, ça va permettre de pouvoir la tourner toujours facilement. Ça, voilà, bravo. cordage, maintenant. Allez, c'est parti. Ou il y a une autre étape avant. Non, a priori, maintenant, on peut se lancer sur le cordage. Cordage, c'est parti. On prend la Lupower de chez Luxilon. Ouais. On est en version black ici. Je t'invite à prendre la petite pince coupante pour venir ouvrir les deux. Je vais essayer de ne pas couper le cordage. Ce serait déjà une bonne idée. Voilà. Bien joué. Un. Hop. Et le deuxième. Ici, la technique de cordage qu'on va appréhender, puisqu'il y en a plusieurs, on va commencer par un cordage en 4 nœuds. Hein. Okay. C'est ce qui est le plus fait sur le tour en particulier. On connaît aussi la méthode du 2 nœuds. Mais effectivement, pour commencer, voilà, ce sera bien pour toi de commencer en 4 nœuds. Toi, ici, tu préfères corder en 4 ou en 2? Alors, bon, moi, je fais les deux. J'ai pas une préférence en particulier, mais c'est vrai que la plupart du temps, en tout cas, c'est plutôt du 4. Hein. Okay. C'est ce qui est le plus populaire, le plus répandu. Il y a des bienfaits pour faire en 4 et en 2, okay. Hein, en particulier. C'est en 4 nœuds, ça permet d'isoler aussi les tensions, faire des différenciations entre les montants et les travers, donc ça a un vrai intérêt. Mm-hmm. Pour les hybrides également, on est obligé de faire sûr. Des 4 nœuds. Bien sûr. Mais effectivement, le 2 nœuds a d'autres intérêts. Nous ici, on va se concentrer sur la méthode en 4. Très bien. J'ai le cordage. Si je le lâche, il part totalement là, on va éviter de faire ça. Non, on va éviter de faire ça. Tu vas pouvoir tranquillement, comme moi ici, le dérouler, voilà, tranquillement pour qu'il s'enroule pas trop. D'accord. Voilà. Ok. Donc on le lâche pas, mais on le défait quand même. Voilà, tranquillement. Et ensuite, il va falloir venir faire donc les mesures, puisque donc en 4 nœuds, il va falloir que tu viennes couper le cordage à la moitié. Je me suis déjà perdu avec le cordage. Attends. Là, oui. Ça non, fait que commencer, bon. Thomas, ça fait commencer. Ah oui, parce qu'après, je vais encore plus... Oh non. C'est pas les bonnes phrases à me dire, ça. Non, tu vas voir, ça va le faire tranquillement. Ah, attends, je me suis encore perdu. Voilà, tu vois, et c'est à ce moment-là où je perds patience, et là, j'ai envie de le jeter par terre, tu vois. J'ai envie de me dire, ah, c'est bon, voilà, allez, hop. Non, c'est bon, j'ai retrouvé. Là, t'es bien pour commencer à mesurer la première partie. Tu peux, voilà, tu peux t'en tenir là, t'as déjà bien déroulé ton cordage. Prends-le par un bout et ensuite, tu vas venir faire ta mesure pour la première partie de la raquette, donc okay. Le montant de la raquette. Okay. Il y a plusieurs façons de mesurer. Souvent, on vient mesurer, par exemple, le nombre de montants exact. Okay. Tu peux également faire par longueur de raquette. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est de mesurer, par exemple, en longueur de raquette. Vas-y, tu peux lâcher ça. Et tu vas venir tirer ici 8 longueurs de raquette complètes. 8 longueurs de raquette. Voilà. Donc pour, ça marche avec les raquettes standard quand elles sont rallongées. Après, quand au pire, il n'y a pas énormément de perte. Il n'y a pas une différence okay. énorme. Et puis voilà, vas-y, je t'invite à le faire et puis je vérifierai ensuite de mon côté. 1. Je lâche tu après peux ouais, tu peux prendre assez large quand même. Je vois que tu ne fais pas 2, toute la raquette. Ouais, prends bien large 8. 3. Ouais. 4. 5. 6. 7. 8. Ok, vas-y, bouge pas. Je vais juste vérifier avec ma mesure habituelle pour qu'on soit bien. et puis c'est ça, quoi. Allez, hop, je te coupe ça. Et on va pouvoir se lancer sur les montants de la raquette. C'est parti. Alors, est-ce qu'on commence par le bas ou est-ce qu'on commence par le haut?
C'est une bonne question, ça. J'essaye, hein. L'important, c'est de comprendre comment est faite ta raquette. Et attends, avant ça, déjà, tu viens de le couper, mais en diagonale. Tu ne l'as pas coupé droit. C'est vrai que c'est une petite habitude, c'est pour te faciliter un peu la tâche. J'ai pas envie que tu restes là deux comme heures. Comme ça, ça rentre en pic plutôt que galérer à le faire ça en tête. Ça permet de t'aider à bien passer à l'intérieur de tes œillets. C'est vraiment plus facile pour l'utilisation. Okay. Ici, on est donc sur une 16-19, hein, c'est bien, on avait déjà bien déterminé la raquette avant de commencer à l'accorder. Et là, l'important, c'est de déterminer le nombre d'œillets qu'on a au cœur. Ici, dis-moi, on en a combien ? On est en 6. Et tu vois qu'effectivement, on va bien devoir passer à ce niveau-là, au cœur de ta raquette, pour commencer. D'accord, tu mets un de chaque. Voilà, et là, je vais t'inviter du coup à venir passer là et à faire une moitié de chaque côté de ta raquette. D'accord, et après on va les tirer du coup. Exactement. Oui, c'est vrai que ça passe beaucoup mieux. Je te conseille de les faire passer directement avant de les tirer. Bien, allez, hop, on y va. Et puisque après, et ben voilà. Feuille moins. Alors attends, hop. Voilà. Ah, c'est là où je vais être emmerdé. Enfin, embêté, pardon. Oh. Tac. Tu tires et tu fais en sorte que il y a la moitié de chaque côté. Hop, 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 hop. Ok. Et là, je pense que là, on allez, est bon. Vérifie. Là, là, c'est de là. C'est parfait. Ce qu'on a fait, là, c'est de là. On est prêt. Ok. Et là, voilà. On va commencer avec les pinces. Là, on va commencer. Il faut se rappeler aussi à quelle tension on va faire la raquette. C'est vrai. J'oublie quand même deux, trois étapes. Habituelle, c'est quoi ta tension habituelle ? C'est quoi ta tension ? On va mettre 23 sur la clash. Allez, vas-y. Ouais, donc, je t'invite à le faire. C'est tactile. Tu peux cliquer ici pour descendre la tension et la montée. D'accord. Vas-y, je t'invite à… Exceptionnel. Donc, hop. Là, 23 bon. Kilos, ouais. Ok. C'est parfait. On est bon. Je vais refermer ça. Donc, et là, est-ce que là je fais avec les pinces ou alors, au niveau ? Ce que je vais faire, c'est que pour commencer la raquette, je vais d'abord, pour bien fixer les deux cordes, je vais t'inviter à le passer ici. D'accord, ok. Pour activer la tension, il faut qu'en fait, tu vois, cette dent s'active sur le cordage. Donc pour cela, il ne faut pas que tu sois trop comme ça, il faut que tu viennes la tirer un petit peu pour qu'elle soit prise. Et au moment où tu fais ça, tu vois, les cordes sont mises en tension. Et donc attends, donc tu la prends un peu sur le côté et t'appuies. Voilà, exactement. Vas-y, donc, je t'invite à le faire. Donc là, tu passes un peu sur le côté et t'appuies. Très bien, là c'est fixé. Et on va venir mettre la première pince, la pince, on va dire, de départ. Et là, on va venir la positionner juste ici. Ouais, exactement. Je vais la mettre en haut. Alors attends, donc là tu la montes. Voilà, tu la montes assez proche ici de ta raquette, le plus proche possible. Là, c'est très bien. On est bon ? Très bien. Ensuite, tu vas venir relâcher la tension. Tu vois ici, il n'y a plus aucune tension même sur celle-ci. En fait, celle-là, elle va vraiment te servir de pince de base. Et donc ici, on va pouvoir commencer avec la première tension sur ta raquette. C'est parfait. Je t'invite à venir positionner ta pince ici. Est-ce que par contre, celui-là qui va me gonfler, je peux le passer là ? Ouais, mais tu vois pas forcément ce qui va passer en dessous. Tu verras. Non, mais c'est vrai. Il faut savoir l'oublier un peu son cordage parce qu'il va être toujours dans tes pattes. Donc t'inquiète pas, il trouve toujours sa place à un moment donné. Tiens, toi va là-bas, va t'amuser. Vas-y, je t'invite à positionner ta pince. Donc l'important c'est de mettre ta première pince et ensuite ta pince de base. Voilà. Et ici, ta tension est maintenue. Donc tu peux effectivement désactiver. J'appuie dessus. Tout à fait. Et là ici, on a la première tension de référence qui a été appliquée sur ton premier montant. Maintenant, je vais t'inviter à répéter le processus. Pour les 4 premiers montants. Ah, les 4. Voilà. On évite de faire tout un côté d'un seul coup pour éviter de mettre trop de stress, trop de tension sur la raquette. Ah, d'accord, petite chose. Il faut être vachement mobile et il faut pouvoir la tourner. Voilà. D'accord. Le cordeur, il reste toujours à son poste, mais par contre, c'est la raquette qui bouge. C'est ça, d'accord. Autre chose très importante, là, tu as failli faire une erreur, surtout sur des raquettes neuves. C'est que là, si tu viens tirer ici, tu vas venir mettre une pression et tu peux rayer un petit peu de la peinture. Donc là, je t'aide. Voilà, je te fais passer ça en dessous et là tu peux tirer. Ok, là on fait comme ça. C'est ça. Là, voilà, on maintenant. Cette pince là. Voilà, tu débloques celle du haut en poussant. Tu débloques en appuyant sur le bouton. Mais pas par ici. En haut du coup. Voilà. Par en bas. En appuyant sur le bouton. Ah, sur le bouton, pardon. Ok. Et ensuite, je viens le fixer. Assez proche de ta raquette. Ouais, c'est bien. Et là. Et toujours dans les deux temps. Très bien. Ok, donc là je rappuie là. Et pour l'instant, tu as toujours ta tension qui est mise en place. Attends, j'en ai fait deux du coup. Voilà. Là, je repasse par en haut, par en bas, par là. Très bien. Alors attends, du coup, je vais bouger ça.
Très bien. On est bon là. Là, on Ce qui est intéressant, c'est aussi effectivement d'utiliser ta main droite pour activer et ta main gauche qui soit quand même un petit peu plus en connexion avec la raquette. Exactement, exactement. Ok, donc là la pince. Voilà. On lève, là on fait ça. Ah, mais c'est toi. Tu descends. Ah. Très bien. Hop. Voilà, tu relâches la tension. Là, bouge pas, t'es bien positionné pour passer ici, donc vas-y, continue. Tu vois, l'important, c'est de travailler quand la raquette est bien positionnée et bien face à toi. Ça te permet de gagner du temps. Voilà. Ah, elle ressort là. Allez, tu peux tirer toute ta corde et te positionner pour aller tirer et appliquer ta tension. Voilà, elle n'y est pas allée. Donc là, on est bon. Appuie. Ok, très bien. Bon. Allez, vas-y, continue. Allez, tirer, du coup, elle ressort là. Eh oui. Donc, par en bas, on a dit. Hop. Hop. Quand tu tournes ta pince, toujours la tourner vers l'intérieur pour éviter de potentiellement toucher le cadre de la raquette. Okay. C'est très important. Très bien. Tu as fait les quatre premiers. Relâche la tension que tu as appliquée là-bas. Ensuite, tu vas pouvoir passer ton cinquième, mais tu vas pas tirer dessus. Pour cela, comme je te dis, l'intérêt, c'est de travailler face à toi. Tu vois ici, tu as tes deux trous qui se font face. Ah non, mais non, attends. Je me suis embêté. Eh ouais, si t'en oublies un, ça va faire un filet à papillon là. Voilà. Voilà, tu peux tirer tout. Et maintenant, tu vas passer à la suite. Et comme tu vois, l'intérêt d'avoir passé ça, c'est que tu te retrouves déjà. Et là, je me retrouve parfaitement. Et donc là, tu vas venir appliquer la tension sur ce travers là et venir sur ce montant là et venir finir toute la deuxième partie de ta raquette. Ah là, là je la finis. Exactement. Ok, allez go, c'est parti. Hop. Toi, du coup, maintenant que j'ai un peu compris le truc, tu me dis si je fais des bêtises, hein. Mais on peut discuter un petit peu. Allons-y. En combien de temps tu cordes une raquette? Eh ben, écoute, c'est variable parce que c'est vrai que nous ici, on est en magasin, donc la priorité aussi, c'est aussi de pouvoir servir les clients, etc. Mais on compte à peu près 15-20 minutes pour une raquette. Ah oui, donc oui. Et donc là, toi, tu l'as déjà fini, là. peut-être pas quand même, mais c'est vrai que voilà, on compte environ 20 minutes, voilà, 15-20 minutes, c'est déjà très bien pour corder une raquette. Ça te fait du... Là, toi, tu n'as cordé que ici ou t'avais déjà cordé dans des clubs ou... Non, bah en fait, c'est vrai que moi, j'ai commencé à travailler ici donc depuis l'ouverture du magasin, maintenant presque un an et demi, c'était en novembre dernier. Et effectivement, j'ai appris ici avec un formateur, Vince, hein, que je dédicace aussi. et puis voilà, maintenant... J'ai pu acquérir une certaine expérience. Ouais, j'arrive à corder de manière assez rapide. Mais je dirais que la rapidité, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Qui met longtemps. Tu vois. Parce que au l'important, début... c'est déjà... au début, c'est... Au début, tu cordais en combien? J'ai envie de dire, comme tout le monde, la première, j'ai dû la couper parce que j'avais fait un pont. Et la deuxième, j'ai mis 1h15. Et ensuite, on s'améliore et on prend le temps de... Ah oui, donc oui, non, ce serait pas dingue. Enfin, entre guillemets, ce serait pas une exception si je rate la première. On verra, je te mets pas de pression, mais ce serait quand même, un peu chaud, quoi. D'accord, ah d'accord, surtout ok. Que non, je suis là à te coacher, donc on va éviter. On va se concentrer, alors attends, hop, là, j'ai tiré tout ça. Toi, tu vas là-bas, toi, tu reviens là. Toi, tu vas comme ça. Et corder sur les tournois à terme, ce serait une envie pour toi ou non? Ouais, corder sur les tournois, j'ai jamais eu l'occasion, mais c'est vrai que ce serait forcément une expérience qui m'intéresserait beaucoup, hein, parce que naturellement, ce qui touche au haut niveau pour des passionnés de tennis comme nous, c'est toujours quelque chose de super valorisant aussi, même pour notre travail. Donc ouais, c'est clair que ce serait une expérience hyper sympa à faire, quoi. Parce que toi, tu joues, t'es classé combien? Moi, je joue au tennis, je suis un passionné, je suis pas un très grand joueur, mais je suis 15-5 cette année. C'est bien, c'est bien. Alors attends, tac. Vas-y, tu peux relâcher. Là, on est bon. Et pour passer tes montants, tu vois, toujours, tu viens de positionner là, tu vas là et tu vises directement ton œillet pour arriver. Voilà, là, c'est parfait. Plus rapide. Si on arrive à la mettre dans le coup, ce que je n'arrive pas à faire. C'est ça. Là, on est bon. Sur les clashs, il y a un espèce de virage là, à ce moment-là. Ouais, chaque raquette est différente, hein. C'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on... Quelle est la raquette la plus agréable à corder, selon toi?
Très franchement, j'ai pas vraiment de... Sur les raquettes, j'ai pas vraiment de raquette favorite. Voilà, je trouve vraiment que chaque raquette a ses particularités. Naturellement, des raquettes qui peuvent être un peu plus longues à corder, qui ont des plans de cordage plus particuliers, ouais, des 18-20, des raquettes comme ça peuvent être un peu plus longues, en tout cas à corder. Mais au niveau mais des raquettes... pas forcément plus embêtant. Non, il n'y a pas vraiment de raquettes favorites à corder à ce niveau-là. Quoi. Ok, et en termes de cordage ? Cordage, bon, c'est vrai que voilà, on a toujours les multifilaments qui sont plus souples. Tu verras, c'est pas vraiment au moment des montants que tu souffles le plus. Okay. C'est plutôt les travers. On verra si ça te fait mal au doigt ou pas. Mais multis sont réputés être, sont plus souples et pour corder, c'est un peu plus agréable. Après moi, finalement, comme je corde quand même plus souvent du mono, maintenant je préfère. Je suis habitué vraiment au mono, donc. En soi, ouais, il y a des cordages qui ont un revêtement qui accroche un petit peu plus, donc qui glissent moins. Donc ouais, les cordages qui sont les plus sympas, c'est ceux qui glissent le plus, avec lesquels on arrive à être très fluide au niveau du cordage, quoi. Là, il m'en reste plus que 3 encore. Ouais, si t'es en 16-19, alors là, t'as une chance aussi, c'est que c'est pas une raquette neuve. Tes œillets sont déjà faits. T'as un peu d'aide. T'as un peu d'aide pour savoir où tu dois aller. Parce que ça, c'est embêtant, ça, accordé. Enfin, c'est plus embêtant. Effectivement, quand on... Ça fait partie des qualités à avoir pour un cordeur, c'est de connaître les raquettes. Et ça se gagne aussi avec l'expérience. Parce qu'effectivement... Mais il faut savoir quel œillet doit être un montant, quel œillet doit être un travers. Comme tu vois sur celle-ci, voilà, t'as un œillet qui est usé et qui te dirige vers ton montant. Donc là, tu sais que c'est bien un montant et pas un travers. Hop. Là, je me dis que dans pas longtemps, j'ai le premier nœud à faire. Exactement. Et c'est... Bon, ça va, hein, c'est pas un moment de stress non plus, mais... Non. Voilà, toujours vers l'intérieur. Ici, tu vas arriver à ton dernier montant. Ouais. De ce côté-là, tu vas donc venir appliquer, je vais te laisser le passer et tu viendras ensuite appliquer ce qu'on appelle une surtension. On ajoute ici une petite surtension au niveau du nœud pour la petite déperdition de tension que peut représenter ce nœud. Voilà, c'est quelque chose qui est souvent fait et nous ici au magasin on a cette... J'ai pas assez. Ici t'es pile poil, fais voir, normalement tu devrais pouvoir... Y aller. Et d'accord, tu tires un peu pour que ça puisse venir tirer. Voilà. Ok, et la surtension ? Ouais, la surtension, du coup, on va venir l'activer, c'est juste là. Ok. Ici. Ah oui, d'accord, ok, ça te le met le plus 12%. Donc la surtension, elle est de 12%. Voilà. Ok. Donc là, je te laisse venir appliquer ta pince. Bien sûr. Tout simplement. Hop. Hop. J'ai l'impression de l'avoir mal mis, mais. Non, ce que tu peux faire ici. Ouais, c'est venir pivoter ici. Ah, tu vois que les deux pinces, elles pivotent toutes les deux. C'est ce qui me manquait. Voilà. Donc, ok, ici, on est bon. On est bien. Et vas-y, je te laisse passer à la suite. Les nœuds, on les fera tous les deux une fois que tu auras terminé tous tes montants. Ok, on fait ça. Voilà, c'est une manière de gagner. Et donc un là, peu on repart. Aussi. Et t'es reparti. Hop. La corde qui était déjà passée tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Exact, ça, c'est un côté pour gagner un petit peu de temps. Tu vois, tu repars tout de suite sur la suite de tes montants. Hop. Vous êtes combien de cordeurs ici ? Au niveau cordage, on va avoir donc 4 personnes, 5 personnes même qui peuvent corder avec un temps partiel. Moi, je vais passer la majorité de mon temps ici. Et puis on a aussi plusieurs de mes collègues voilà, qui viennent corder. Le flux au niveau cordage, il va varier. Plus voilà, à Paris, les cours extérieurs, les terres extérieures, plus on va, avoir des joueurs qui vont venir... faire corder leur raquette. L'été, c'est fin la période aussi Roland-Garros, elle est plus intense. Donc effectivement, ça va être vraiment ça qui va vraiment jouer là-dessus. Donc on est 5 cordeurs qui pouvons s'occuper des raquettes. Et donc pour faire les nœuds, on vient toujours à l'œillet le plus proche. Donc comme tu vois ici, tu vas venir rentrer ta corde dans l'œillet qui est déjà voilà, très bien. Ok. Fais-le ressortir. Ok. Ok. Maintenant, on va partir donc sur le nœud. Donc pour ça, on fait un nœud en fait par rapport à la corde d'ancrage. Donc on va venir s'enrouler autour. On va venir créer une boucle. Ici, on a un nœud, on pourrait tirer dessus et le serrer. L'intérêt, c'est qu'on va venir faire en fait un nœud en deux temps.
C'est-à-dire qu'on va venir... Je repasse à l'intérieur. Voilà, exactement. Là, tu fais ton nœud. Okay. On va pas venir le serrer tout de suite. On va pas tirer dessus tout de suite. On va le serrer dans un deuxième temps. On va le serrer que une fois qu'on aura repassé, en fait, la corde dedans. Et là, tu vois, il y a une deuxième boucle qui s'est formée. Ouais. Et finalement, on va venir serrer ce premier nœud, d'accord, tout simplement. Via la boucle et après, on serre le deuxième. Exactement. Et pour le serrer efficacement, on utilise, par exemple, cet outil-là, qui est la pince de départ. Voilà. Là, je vais venir serrer ce premier nœud, pas trop fort, c'est okay. pas utile de serrer vraiment comme un dingue, on va venir bien serrer, c'est tout. Et ensuite, il nous reste celle-ci pour venir finalement sécuriser notre première boucle. Et donc là, à ce moment-là, je viens simplement mettre une pression, le serrer, je garde en tension, je tire pas très fort et je viens relâcher ma pince ici. Ok, et après là, t'es bon. Et là, c'est tout bon. Tu coupes. Je vais te montrer également comment on coupe. On prend la pince coupante, plutôt à ras, pas trop court non plus. On vient prendre le côté plat du côté du cadre pour éviter de l'abîmer, surtout pas comme ouais, bien ça. Sûr, hein. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on va venir couper une coupe propre, assez courte, contre la raquette. Ok. Ok. Écoute, je pars allez, pour, à toi de jouer. Je pars pour celui-là. Donc, celui-là, on est là. Voilà, tu viens te mettre dans le montant le plus proche. C'est ça, on est d'accord. Donc, dans celui-là. C'est ça, ouais. Donc, dans celui-là. Oh. Tu peux t'aider aussi de tes outils, hein, bien sûr. Ah, alors attends, tu peux utiliser cette petite pince, par exemple. Ça, c'est une pince ou c'est une pince coupante ? Non, c'est une pince. Tu peux utiliser là pour l'attraper et tirer tout simplement ta corde tranquillement. Ok, on est bon. Là, je l'ai. Très bien. Je te conseille de travailler avec le nœud juste devant toi, ce sera plus pratique. C'est plus simple. Là, donc là, il repasse par en bas. Alors, il faut que tu viennes faire ta première boucle par rapport à ta corde d'ancrage qui est celle-ci. Donc là, tu vas passer au-dessus de celle-ci. Donc, au-dessus de celle-ci. Et en dessous, de repasser dans ta boucle. Ouais, c'est ça. Pour tes mains, regarde, ta main, celle-ci, pour t'aider, tu peux te la passer directement sous ah, ici. Ah oui, bah oui, ce bien sera sûr. Plus pratique. Donc là, comme ça, et là. Et tu dois passer à l'intérieur surtout. Donc là, comme ça. Ouais, exact. Ok. Là, t'as ton premier nœud. Donc là, tu vois, tu peux le serrer un petit peu, mais on va pas venir tirer mais, dessus mais là, trop fort. Mais là, je repasse là. Juste là, exactement. Au-dessus de la corde, mais dans la boucle. Et là, okay. surtout, faut pas trop tirer parce qu'effectivement, c'est okay. celui-là que tu dois tirer. Exact. Okay. Donc là, pour donc t'aider, là, je reprends tu peux cette utiliser pince-là. Ça. Attends, ouais. J'ai vu que tu la prenais comme ça, toi. Ouais, je vais te montrer pourquoi. C'est qu'en fait, ça te permet, ouais, attends. Quand je tu vais viens... la mettre comme ça et après, je la prendrai autrement. Voilà. Ça. Et ensuite, avec tes deux doigts, tu peux venir en fait ah, comme ça. L'attraper d'accord. comme ça. Une bouteille de vin. Un peu, exactement. Voilà, voilà, j'ai t'as un peu. Mais quoi. C'est bon, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ouais, ça donc l'a bien serré. Exact. Et après... Tu prends ici. Ok, et donc là. Voilà, tu. En fait, même ce que je fais, je te montre juste pour que tu l'aies bien. Tu mets tes deux doigts ouais, ici sur la corde. Ouais, ouais. Et là, en fait, t'as naturellement okay, t'as une position qui est bien. Là, tu te mets okay. ici, t'es bien. Ok, là, tu fais. J'ai un voilà. Jason Chikandier. Et pendant, que tu... tires dessus, tu peux juste désactiver ta pince tranquillement. D'accord. Voilà, la pince de base d'abord, t'appuies. Ouais, voilà. Et ah, celle-là. C'était celle ouais, de base. Mais c'est pas grave, c'est bien voilà. aussi quand même. C'est normal. Parfait, c'est bien. Et donc là, tu dis quand là. On... Tu attends, relâches, non, ton nœud est fait. Ok, et donc là, je coupe. Tu viens couper, pas trop proche non plus. Ok. On est bon ? Allez, c'est pas mal du tout. Très bien. C'est maintenant que la galère va commencer. On a fini les montants. Place au travers. Bon courage Thomas, parce c'est que maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant que ça va passer un petit peu plus compliqué. C'est bon, c'est bien en pointe, c'est bien coupé. En diagonale, on est prêt. On peut y aller. On commence. Alors, par le bas. Je vais t'expliquer comment on va commencer. On commence surtout pas par le bas. On doit toujours ben corder du haut vers le bas. D'accord. Okay. Pour commencer, ce qu'on fait toujours ici, c'est qu'on va venir passer en fait les trois premiers travers sans appliquer aucune tension. L'intérêt, c'est faciliter le passage des trois premiers travers. C'est plus facile. Okay. Il n'y a pas de tension qui sont appliquées dessus. Et également, comme ça, on gagne du temps en termes de travail puisque comme ça, on ne fait que passer les travers et seulement après, on sera prêt à commencer. Ok, la vraie question, au bout de combien de temps tu as réussi à faire ça? Ah, ça, c'est chacun sa technique parce que tu vas voir, il y a plusieurs techniques. Ah, toi, tu passes pas comme ça? Voilà, moi je le fais comme ça parce que c'est comme ça que j'ai appris. Donc, l'idée, c'est que tu vas venir ah, oui, ici. Ah oui, mais tu passes quand même en diag, ok. Voilà, d'accord. Tu viens passer comme ça. Ok, d'accord. Ça, ici, tu vois, je l'ai passé dans le deuxième. L'idée, c'est qu'ensuite, tu vas revenir avec celui-là, passer dans le premier ici. Et là, tu vois que par exemple aussi, je peux utiliser des techniques aussi de, voilà, c'est soit on tire, soit on pousse.
D'accord, donc, ok. Il y a plusieurs techniques. Toi, tu vas pouvoir, choisir la tienne, on va dire. Là, je fais juste en sorte que celui-ci soit assez loin pour venir tirer. J'ai compris ce que tu as fait. Ok. Oui, tu l'as commencé avec le plus gros mou du deuxième et tu es revenu au exactement. Premier histoire de pouvoir faire le truc. Et ici, et à ici, partir de là, okay, d'accord. Tu vois, j'ai aucune pression, aucune tension qui est appliquée, mais par contre, je suis prêt à commencer. Donc là, okay. Ce que je vais faire, je vais te demander de passer le troisième travers également. Oui, parce que du coup, tu m'as dit 3 sans pression. Maintenant, la alors, difficulté attends. Des travers, donc, c'est là, que passé tu dois... en dessous, donc là, je passe au-dessus. Et juste, ben alors vas-y. Non, bah non. Et oui, parce que tu vois. Oui. Exactement. Il faut qu'il y ait toujours un décalage. Ça, ouais, bien sûr. Et ici, à toi de voir si tu préfères effectivement plutôt pousser ton travers ou si tu préfères essayer de tirer, pourquoi pas, si t'es plus à l'aise avec. Je peux te conseiller. Là, pour l'instant, je suis plus emmerdé qu'à l'aise, mais. Alors bah, attends. C'est, comme je te disais, c'est pas facile. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Normalement, j'ai pas fait d'erreur. Et là, pour vérifier si tu n'as pas fait d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Normalement, on est bon. C'est bon. Une autre manière de vérifier, c'est que tu vois ici, tu as commencé en dessous. Ouais. Et tu es ressorti au-dessus. Donc ça, bon. Ça veut dire que théoriquement, c'est bon. Alors, sauf si tu as fait deux ponts sur le même passage là, de travers, là, mais balèze. Bon, là c'est plus compliqué. Okay. Voilà, donc là, tu peux passer ici. Donc, par au-dessus, on est d'accord. Exactement. Au-dessus, ok. Ne tire pas plus, reste-en ici, comme ça, quand tu vas pouvoir recommencer, tu auras déjà le bout de ton travers prêt à commencer. Ok. Ici, tu vas venir poser ce qu'on appelle maintenant qu'on fait le... la pince de départ. Tu ne vas pas venir tirer dessus, tu vas juste venir positionner la pince de départ. Juste ici, en buté contre ta machine. Vas-y, je te laisse le faire. Ok, très bien. Faut que ce soit. Ça tient, là. Oui, faut que ce soit en buté comme ça. Okay. C'est très bien. Donc celui-là, on va l'oublier un petit peu pour l'instant. Ici, on a 2 cordes. Tu vas venir appliquer ta tension sur la deuxième. Là, on avait tiré. Non, on n'a pas tiré. Non, mais, en fait... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus rien là. Non, non, okay, justement, là, on est tout bon. Est prêt. Là, on est bon. Et là, moi, je repasse sur l'autre. Tu vas d'abord venir tirer ton deuxième travers. Puisque... C'est maintenant qu'on fait de la tension. Voilà, exactement. Donc là, okay. Avant de positionner la moindre pince, viens tirer sur ton deuxième travers. Pardon. Tu vois qu'ici, il y a 2 cordes. Voilà, là, c'est tiré. On a appliqué qu'une seule fois la tension de référence pour 2 cordes. Mais ne t'inquiète pas, on y reviendra plus tard. Ouais, c'est pour cela que j'ai laissé également un petit peu de mou pour plus tard. Donc là, okay. N'oublie pas de fixer ta pince en bas également. En bas. Juste là. Ah, pardon. Oui, c'est vrai que j'ai oublié. Oui. Et à partir de là, tu peux relâcher. Tu vois ici que tu as donc bien tes deux... Enfin, ton premier travers sûr, en particulier qui est déjà fait. Ça. Et là, tu vas pouvoir passer on à la suite. Tu peux le bouger, ça... Il y a une particularité avec les travers, c'est que tu vas toujours travailler avec un travers d'avance. C'est-à-dire que je vais te montrer juste pour le début et comme ça tu pourras continuer par la suite. Là tu vois, on en est ici. Pour tirer ton travers et pour limiter les frottements, tu vois que je suis en train de donner ici toujours du mou. Parce que quand je fais ça, premièrement c'est un petit peu plus difficile et ça peut venir même marquer le cordage, en particulier sur un alu qui a un petit revêtement en post-production. On vient ici tout simplement donner du mou. On vérifie qu'on ne fait pas trop de nœuds ici. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on a passé toute notre corde, on vient la positionner ici. Je ne vais pas venir tirer directement. Pourquoi ? Parce que sinon, le prochain travers serait plus dur à passer puisqu'il y aurait de la tension et mes montants seraient vraiment décalés. Ce serait moins agréable. Ce que je vais donc faire, je vais me positionner ici. Je commence en dessous, je vérifie que je suis bien au-dessus. Là, j'étais au-dessus, donc là, en dessous, en c'est dessous, parfait. Okay. Et là, je viens tout simplement passer mon travers. Je le positionne ici. Et seulement là, tu vois, on a créé une boucle avec celui-là. Ok, et donc on là, maintenant, tu peux. On a pré-passé notre travers suivant. Et à partir de là, tu peux venir tendre. Ok. Ok. On est bon. Donc là, je viens tendre. Tu viens positionner ta pince. Ici, tu vois que les deux pinces... elles vont venir fonctionner chacune de leur côté. Ok, d'accord. Voilà, faut que tu essayes de t'approcher pas mal du... Encore plus ? Ouais, là c'est bien, c'est très bien. Ok. Très bien. Tac, là on est bon. Tu relâches la tension. Là on est bon. Et ensuite, tu récupères le bout de... Et ensuite, je récupère et le bon. Pour tirer et là... dessus, voilà, il faut t'aider en faisant ça. Et c'est là où on va voir si t'as les doigts qui sont pleins de cornes, solides, ou si ça fait mal. Non, pour ça l'instant, va. Ça va pour encore. Pour l'instant, ça va. Ça va, ça va. Mais par contre, ouais, tu m'étonnes, avec des cordages qui accrochent plus, etc., ça doit... Parce que lui, on est d'accord, est fluide.
Il est pas si fluide que ça, c'est okay. Voilà, c'est un monofilament, donc c'est pas vraiment trop facile ni trop compliqué non. Attends, j'ai réussi à prendre le truc, je sais même pas où. Ouais, ah, ça c'est voilà non, les c'est joies, bon, c'est les bon, joies bon, de s'en mêler un petit peu. Nickel. Très bien, donc là tu viens retirer tout le mou, faut que tu tires voilà, la totalité. Là voilà, tu peux tirer tout, hein, là, voilà, très bien. Ok. Tu viens remonter là, un bon, petit peu. Mais là je repasse. Voilà. Et tu vois, là ce que tu es en train de faire, quand on est un cordeur plus expérimenté, on a toujours le bout dans sa main. D'accord. Pour éviter de toujours devoir oui, le remonter. Oui, ça permet de ne pas c'est perdre ça. Du temps. C'est ça. Donc là, est-ce que tu veux que je te montre une autre technique pour passer? Est-ce attends, que tu veux attends, attends. Essayer déjà, de voir j'essaye pour d'en maîtriser celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est 9, pas mal. 10, 11, 12, 13, 14. J'ai commencé par en bas, je finis par en haut. Ah, elle était pas mal celle-là. Ça commence à bien marcher là. On aime bien. Allez, allez. Donc attends, là je tire un peu comme ça. Voilà, tu le fais juste passer. Là je fais passer. Voilà, tu le tires pas plus, là. C'est pas utile parce que tu viendras le retrouver. Et là, celle et là, que tu dois celle-là. Tirer, c'est celle-ci. Donc, ah, là, oui, fais... ah oui, oui, oui. Donc voilà. Attends, je me suis trompé. Donc là, je suis là, là, là. Et tu viens donc positionner ta pince. Au plus proche de ta raquette, encore comme plus. Toujours. Ouais, voilà. Comme ça, c'est parfait. Ok. Très bien. On est bon. Là, du coup. Tu relâches la tension. Je relâche. Et ensuite, hop, tu là. Enchaînes. Et attends. Je sais plus où je suis. Tu là. Dois tirer là-dessus. Exact. Je savais plus de quel côté je devais tirer. Et là, tu dois vraiment suivre cette logique voilà, jusqu'au bout de la raquette. Disons au moins jusqu'à la moitié, puisque voilà, vraiment, à partir de la moitié de la raquette, on viendra finaliser également ce nœud-là. Ok. Hop. Hop, là on est bon. Très bien. Et donc, ah, ensuite, tu vas venir repasser. Tu vas venir repasser. Comme toujours, on en et fait. J'ai encore pas pris le bout de ma raquette. Mais comment en le passant, tu veux passer le bout? Ben, comment ça, passer le bout? Le garder en main, ouais. En fait, on le garde toujours dans sa main et on utilise. Donc, c'est-à-dire que tu fais comme ça. Ah oui, exactement. D'accord, ok. Ouais. Et alors, attends. Donc là, je le passe. Hey, donc là, je le passe par là? Ouais. Ou je passe directement par là? Tu peux le passer directement, c'est pas un problème. Okay. Alors, attends. L'important, c'est toujours d'être. Je me suis enfilé le doigt. par en bas, par en haut. Voilà. Par en haut. Par en bas, par en bas, par en haut, par en haut, par en bas, par en bas, par en haut. Je suis beaucoup plus emmerdé dans ce sens-là que dans l'autre. C'est fou. Souvent, c'est plus facile d'aller un petit peu plus en biais que vraiment tout droit parce que ouais, t'as mais en fait... je sais pas pourquoi je. Après, c'est. Alors attends. Chaque cordeur développe sa technique, hein, ça attends. C'est clair. 1, 2, 3, 4. On est bon. On est encore bon pour le moment. Ah, mais j'ai pas assez de mou non plus. Voilà, ah, tu là. Peux aussi tirer un petit peu de corde pour t'aider. En haut. Non, en haut, en bas. En bas. Ah oui, bah oui, c'est mieux comme ça. Mm-hmm. Et voilà. Il vaut mieux tirer du mou. Donc là, attends, j'ai commencé par en bas et je finis par en haut. Donc on est bon. C'est très bien. C'est une bonne façon de vérifier que t'as pas fait de pont a priori. Sauf si t'as fait double pont, quoi. Ah, ça, par contre. Ça me tue les doigts de la faire comme ça. Ouais, parce que ça... du coup, je tire avec le bout du doigt et je tire entre les deux doigts. Tu peux pas tu peux. Tu veux que je te montre si tu veux un petit peu. Regarde, tu vois, tu peux juste. Tu prends comme ça. Hop. Tu le prends ici, même de toute ta main. Et juste, tu viens, voilà. En fait, tu ah, le prends au milieu de ta main comme ça. Oui, et bah ici, oui, plus simple. Tu viens tirer. Parce que moi, comme je ça. Fonctionne qu'avec le bout des doigts. Voilà. Mais oui, d'accord. Et là, tu repars. Et donc allez, là, tu repars. Voilà ce que tu peux faire. L'idée, c'est de réussir à trouver de la fluidité. Normal que en commençant, ce soit difficile. Tu peux aussi faire ça, voilà, une petite boucle. Tu vois, je voulais te parler de différentes techniques. Tu vois, tu peux prendre un petit peu de mou et au lieu de passer la pointe, ouais, tu, vas passer tu, une peux, boucle. Tu peux venir passer une petite boucle. De... Tu vois, tu viens la passer comme ça. Ensuite, tu la rattrapes, tu tires un peu de mou. Par exemple, même moi aussi, je peux faire comme ça aussi, tout simplement. Ouais, ou tu passes le mou, tu ouais. Peux aussi venir tirer aussi sur... je vais te montrer après au prochain passage si tu souhaites. On peut aussi tirer. Et on dit que c'est un petit peu plus facile aussi au départ là, de tirer. C'est truc. Plus simple de tirer. Ouais. On nous dit derrière la caméra, il y a plusieurs cordeurs. Mais il en a déjà fait deux, hein, là, pendant que j'en suis à... Allez, même pas aux trois quarts d'une. Tu peux venir tirer sur celle-ci. Ok. Ok, donc la pince. Oui. C'est ça.
celle-là, c'est bien celle-là. Très bien. Donc je peux venir relâcher la tension et ensuite venir tirer. Je vais te montrer, si tu veux, là, la technique pour tirer. C'est, ça peut être. Oui, tiens, là, tu repasses. Vas-y. Bien vu. T'avais gardé le. T'as vu, je l'ai gardé cette fois-ci. Ici, tu vas venir mettre ta raquette en fait, du coup, dans le sens opposé à toi pour venir tirer. Tu prends un petit peu, tu fais une boucle et ici, tu vois, tu viens passer avec tes doigts. Ok, donc la là, boucle. Tu la tires, tu la pousses pas, tu la tires. Voilà, tu la tires, tu viens. T'as ton doigt du dessus qui pousse la corde en bas et ton doigt du dessous qui la remonte. Et tu vois, là, je suis arrivé jusqu'au bout, j'ai juste à tirer, et ça y est, on en est arrivé là. On est bon. Ça va, je t'en ai fait passer deux, mais maintenant, c'est à toi de jouer. Là, on est pas mal. Très bien. Là, on retourne ça comme ça. On est un peu plus de la moitié de la raquette. Là, du coup, tu vas passer ce travers-là, et on va en profiter pour aller serrer le nœud en haut qu'on avait laissé. D'accord, c'est à ce moment-là qu'on le serre. Ouais. Il y a aussi une raison pour ça, une raison d'optimisation, c'est que tes pinces, après, tu vois, tu pourras plus venir les caler là, il faudra les tourner. Okay. Donc, tant qu'à faire, avant de les tourner, on va aller s'occuper de ce qui reste à faire en haut de la raquette. Comme ça, ce sera fait. On gagne du temps. Attends, tac, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et tu finis en haut. Voilà, passe dans cet œillet, tu laisses dépasser un petit peu de corde, c'est tout, et on va venir s'occuper du nœud qu'on avait laissé là-haut. On va devoir venir serrer notre nœud, et pour ça, on va avoir besoin d'une pince. Comme tu vois, c'est cette pince-là actuellement. Oula. C'est cette pince-là actuellement qui maintient la tension sur toute la raquette. Celle-ci, en donc réalité, on peut la lâcher. Donc ici, tu vas venir appliquer la surtension, comme on avait fait tout à l'heure. Parfait. Et tu vas venir appliquer la tension sur ça. Et celle-là, ici. Non. On va venir la poser ensuite pour maintenir la ensuite. Tension. Exactement. Très bien. Ici, tu viens fixer sur ton premier travers cette pince-là pour maintenir la tension. Tu viens de poser ici à peu près, c'est très bien pour avoir de la place pour faire ton nœud. Ouais, c'était bien comme ça, parfait. Viens fixer avec la pince de base. Ici, tu peux relâcher la tension puisque la tension est maintenue par la pince. Tu peux venir décrocher ta pince de départ. Très bien. Et ensuite, tu vas venir faire ton nœud sur l'œillet le plus proche. Celui qui est le plus proche, bah, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-là. On préférera venir le faire ici. Alors, attends, sur celui-là. Hein. Voilà, tout à fait. Maintenant, pour le nœud, rappelle-toi, c'est par rapport toujours à une corde d'ancrage. Donc là, tu dois bien voir que ici, ouais, tu es venu celle-là. Dans cet œillet-là. Donc ta corde d'ancrage, c'est celle-ci. Donc tu dois venir faire ta boucle par rapport à ça. Donc là. Donc, tu passes. Là, tu prends les deux cordes. Donc tu dois venir dans ce petit trou même. Ah, d'accord, ok. Exactement. Okay. Ici. Tu repasses en dessous pour revenir dans la boucle. Donc dans celle-là, je repasse par celle-là ou par celle-là? Par celle-ci carrément. Par la grosse là? Non, même juste celle au-dessus. Voilà. Celle-là? Voilà, ici. Okay. Et ça rentre dans la boucle. Tu le rattrapes ici. Ok. Très bien. Tu peux venir serrer un petit peu ton nœud. Tu gardes une boucle ouverte, mais vas-y, tu peux tirer un petit peu. Comme bon. Ça, ouais. Okay. Légèrement. Ok. Très bien. Là, je reprends la pince. Attention, tu dois d'abord repasser dans ta boucle avant ça. Donc là, tu vois, tu as une boucle et tu as ton fil qui ressort ici. Et là, tu dois repasser là. Par là. Hein. Exactement. Okay. Et sans tirer dessus, puisque rappelle-toi, tu dois venir serrer ton premier nœud ici. Voilà. Tu peux utiliser de l'autre pince si tu souhaites le serrer encore plus efficacement. On va refaire le Jason Chikandi. Allez, exactement. Hop, on se met comme voilà. Ça. Et là, on serre. Très bien. Vas-y, serre un petit peu quand même. Encore. Ouais, c'est bien comme ça. Parfait. Okay. Pas plus. Tu relâches. Ensuite, tu reprends pour serrer en fait et sécuriser ta première boucle. Tu vas venir serrer la deuxième. Ici, tu tires dessus et tu viens déclamper ta pince de base. Ah oui, c'est vrai. Hop. Très bien. Allez, descends, quoi. Parfait. Hop. Ici, tu vas pouvoir venir couper j'enlève la pince. L'excédent. C'est beau comme mot, l'excédent. Toujours en t'appliquant. Parfait. Je sais pas couper un peu court. Non, c'est bon. Ça va. Pas de soucis, c'est nickel. Bon, j'y arrive plus là à les passer. Ouais, après tu peux le faire un peu plus un par un. C'est pour ça que souvent sur le bas, moi par exemple, je pousse pour la plupart de ma raquette et en bas, je tire parce que je trouve ça un petit peu plus efficace. Il y a moins de place pour. Ouais. L'important c'est de réussir à trouver une fluidité un petit peu. On arrive à la fin. Hein. Il nous reste quelques travers. Courage Thomas, courage. Il nous en reste 1, 2, 3. 3 travers. Courage, plus que 3. On est bon. On voit le bout, regarde.
Tu vois, une fois que tu es là, presque là, utilise la boucle. Tu vois, regarde là, ce que je fais, c'est que là, je fais une petite boucle et, okay. et je fais comme ça. Alors là, t'en as un peu trop tiré pour que ce soit plus pratique, mais utilise une petite boucle pour la faire passer ici. Regarde bien où t'en es, ouais, pour pas te tromper. En haut. Et quand c'est trop dur, tu peux tirer l'ensemble de ta corde et tu recommences à faire une petite boucle. Voilà. Ah. Tac, tac. Ça c'est bon, ouais. Donc en bas, en haut, en bas, en haut. C'est moi qu'il faut remonter. Alors là, pour remonter, ah, c'est bien, tu peux passer par en dessous, exactement. Ah, plus que deux, hein. plus que deux, on est bien. Ah, attends, parce que là, je dois passer par en haut maintenant. Voilà. Là, vérifie bien par rapport à la corde du dessus que tu as, et effectivement, tu dois passer par en haut. Là, on arrive en fin de raquette avec des dédoublements en termes de travers. Donc là, il faut passer par en haut, c'est exact. J'essaye de ne pas me faire avoir sur les interros surprises. C'est bien, tu te débrouilles bien. Ici, on va arriver donc aux deux derniers travers. Tu peux relâcher la tension. Je vais juste te montrer qu'effectivement, là, on est au dernier. Bah, il y en a un, celui-là que tu dois tendre, et celui-ci. Oui, bien sûr. Là, on peut arrêter d'en faire un à l'avance, puisque là, ça devient un peu trop serré. Okay. Donc là, tu vas venir tirer tout celui-là. Et directement l'attendre. Tu vas venir l'attendre directement. Et ensuite, il ne te restera que ton dernier. Donc là, tu viens... fixer ta tension à nouveau avec ta pince. Très bien. Là, ce que je vais juste faire pour te faciliter un petit peu la vie, tu vois, on a un petit peu de surplus ici, comme c'était une garniture, on a souvent un petit peu de surplus avec, okay. Avec les garnitures. Je viens de faire ça, comme ça, c'est plus pratique. Et ensuite, tu vas venir passer le dernier. Alors, vas-y, bats-toi comme tu peux, parce que c'est pas très facile. Le dernier n'est pas facile. Attends, non, parce que c'est lui où il y a moins d'espace pour passer. Je peux te montrer une technique un petit peu pour passer. Moi, ce que je te conseille, là, vas-y, passe là, tire toute ta corde. Très bien. Et ensuite, tu mets une main en dessous, une main au-dessus. Tu peux lâcher ce bout-là. Et ouais, en fait, et après, tu fais des grands nœuds. Tu fais une boucle, ouais, c'est ça, ouais. Et tu le tires en entier. Ouais. Et à chaque fois, tu fais un par un. Attends, donc en bas, en haut. Hop, tu le tires, tu pousses ta corde et tu tires tout. Voilà. Là, c'est le plus pratique pour le dernier. C'est un petit peu... Parce que tu vois, là, pour la pousser d'un bout à l'autre, c'est pas très facile. Ouais, ça commence à sentir bon, là, j'ai l'impression. Hein, là, tu dis que là, ça commence à être pas mal, là. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis assez confiant aussi. Alors, attends, tac. On arrive au dernier, donc là, oublie pas la surtension, hein, qu'on met à chaque nœud. Les 12%. Voilà, exactement. Très bien. Tu vas venir fixer ta pince. La mets pas trop proche parce que tu vois, tu vas devoir venir faire un nœud, donc laisse-toi un petit peu d'espace. Oui, c'est bien comme ça. Hop, parfait. Bon. Ouais. Et le nœud, alors? Le nœud, de la même manière, comme je te disais, tu viens donc toujours au plus proche. On repart sur la corde d'approche. Ouais, donc là, tu vois, par rapport à celle-ci, on va être la plus proche de celle-là, hein, tout simplement. Donc là, non, on a dit dans le nœud. Dans le petit trou ou... Ouais, en fait, tu dois repasser dans l'œillet où il y a déjà une corde. C'est ça. De toute façon... Là, on repasse par en dessous. Non, par au-dessus? Pas forcément, en fait, tout simplement. Regarde, tu vas venir ici. Et donc, là, ton bout, là, il doit venir passer ici. Oui, c'est vrai. Et là, en fait, il passe assez facilement, comme c'est une corde qui a... Enfin, c'est comme c'est une raquette qui a déjà été cordée. Et là, après, on passe par au-dessus ou en dessous? Là, tu tires l'ensemble de ta corde. Tu peux t'aider d'un petit... Parce que là, c'est pas facile. Tu peux t'aider de ton... De ton outil aussi, de ta petite pince. Ah non, ça a sorti. Donc tu rentres le début et ensuite tu viens l'accrocher, quoi. Et là, tu tires tout vers le haut. Voilà, nickel. Et ensuite, tu vas pouvoir venir faire ton nœud. Dans le petit, exact. Là, on repart par là. Ouais, hésite pas à pousser plus pour que tu aies plus d'espace, parce que là, tu vois, t'es pas repassé dans la boucle. C'est vrai. Donc voilà, donne-toi un peu de mou. Et ensuite, tout simplement, tu viens repasser à l'intérieur de ta boucle ici. On est bon. Très bien. Ok. Tu peux venir tirer un petit peu pour faire une première boucle un petit peu. Attends. Ouais, il est un petit peu serré, donc ouais, c'est très bien comme ça. Hop, et voilà. Donc là, tu vois, t'as une boucle et ton fil de l'autre côté. Tu repasses à l'intérieur et tu tires pas trop dessus, ouais. Rappelle-toi, parce que tu dois venir chercher ici. Donc là, je tire celle-là d'abord. Exactement. Celle-là, tu la serres bien. Voilà. Très bien, parfait. Et ensuite, tu viens sécuriser ton deuxième. Ouais.
très bien. Et pendant que tu maintiens la pression, ouais, vas-y, tu peux... Ah oui, pardon, oui, voilà. Parfait. Très bien. Tu peux venir couper. Eh ? Alors ? Bien joué Thomas, bien joué, ça m'a l'air d'être fini. Attention, c'est pas encore tout à fait terminé. Parce que là, ce qu'un cordeur doit apprendre à faire aussi, c'est regarder sa raquette, vérifier que sa raquette est bien, qu'il n'y ait pas de nœud. Ah, tu le regardes comme ça ou tu le regardes comme ça ? On le regarde de tous les angles. D'accord. Mais là, moi, je vais te dire une chose, je vois tout de suite quelque chose. Je vois tout de suite que ta raquette, elle est heureuse. Ouais. Elle sourit. Alors ça, c'est une expression qui est bien connue, faire des sourires. Tu vois ici que là, si tu prends un petit peu de recul et que tu te mets à sa hauteur, tu vas voir que les cordes, en fait, elles sont vraiment très incurvées ici. Ah oui, et ça, d'accord, c'est, okay. Donc on va venir chercher. On fait comme ça. On a même un outil pour ça, je vais te montrer tout simplement. Toi, t'es droitier, bien sûr. Hein. Ouais. Donc là, ce que tu vas venir faire, tu vas venir prendre ton outil comme ça et tu vas venir placer, je vais le faire pour toi, placer une corde de référence. Tu vas tout simplement... Venir fixer cette corde ici et la mettre bien droite. Uh-huh. Et ensuite, tu vois, tu vas venir toutes les replacer comme cela. Ok. Tu vois ? Ok, et donc après, tu peux les replacer comme ça. Voilà, soit au doigt, soit plutôt au replace-corde. Ça, c'est un peu comme tu veux. Mais ça, c'est l'impression esthétique de ta raquette. C'est et quand là, même là, assez important. Plus, là. Elle est plus contente, elle est méchante. Là, c'est bon, on va aller jouer. Allez, c'est parti, quoi. Et donc là, on enlève. Là, tu peux desserrer tout simplement ta raquette. Okay. Voilà, tu desserres tout. Elle est comment ? Dis-moi. Bon, déjà, le son, il est assez aigu, c'est pas mal. Bon, clairement, au niveau du replacement des cordes, il y a encore un peu de boulot. Hein. On n'est pas bon ? Mais après... Pourquoi ? Oh non, t'es dur. Ah là, je suis désolé, non, mais bon, ça, t'es pas dur, ça là. C'est compliqué. Ah oui, ah oui ! Ah bah oui, quand, quand comme tu la regardes comme ça, tu vois, ça demande un petit travail. Ouais, c'est vrai. Okay, quand on est cordeur, on habitue ses yeux, on s'habitue à remettre ça droit. T'as raison, parce que c'est chaotique. Et effectivement, une fois que c'est remis un peu plus droit... On pourra valider la raquette, mais déjà, je trouve que c'est pas trop mal. On est pas mal, on est bien. Tu penses quoi de ta performance? Écoute, alors tu t'attendais à quoi en commençant ce matin? Tu m'avais dit entre 1h et 1h30. Ouais. C'est à peu près ce qu'on a fait. À mon avis, on doit être dans les timings. On doit être à peu près là-dedans. On doit être dans ce timing. En termes de... Bon, c'est très répétitif. C'est facile à prendre, mais il faut pas oublier d'étapes dans le process. Et en vrai, non, écoute, j'ai fait ma première raquette. On est bon. On va pouvoir aller sur le cours, enfin pas pouvoir aller sur le cours du coup puisque je suis blessé, mais en l'occurrence la raquette est faite, c'est fait pour aujourd'hui, un grand merci. Mais écoute Thomas, parce que sans toi j'aurais rien fait. Ouais, donc, la prochaine fois c'est toi tout seul à écoute, la cordeuse. Écoute, c'est j'espère, ça j'espère, on verra ce qui va être souhaite fait. Quoi qu'il arrive, on va se retrouver bientôt, dans quelques semaines, pour tester une autre machine. Et bah, bien sûr, ouais, on pourra aller jeter un œil sur la Baillardo Tune Pro qui nous permet de prendre des mesures assez complètes sur une raquette de tennis, que ce soit la rigidité d'un cordage, que ce soit toute la mesure de toutes ses specs, le poids, l'équilibre, bon, on n'en dit pas trop, mais effectivement, on va pouvoir voir tout ça. C'est l'une des machines les plus chères qui existent dans le tennis. Elle est présente ici et on pourra la tester d'ici 2 semaines, 3 semaines, grand maximum. Un grand merci, Luc, d'avoir fait cette vidéo avec moi, de m'avoir appris à corder. Surtout, si vous avez peut-être appris vous aussi à corder une raquette avec ce beau tuto qu'on a fait aujourd'hui, n'oubliez pas, il y a d'autres vidéos qui sont disponibles. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis, on se retrouve très très prochainement. Allez, comme d'habitude, ciao, bye, ciao. Merci à tous, salut.